c'était l'été, à 8h du matin. Une jeune femme qui a environ 25 ans est devant un grand magasin, pas encore ouvert. Elle vient poursuivre une formation avec d'autres candidats. C'est pas son premier petit boulot, mais ça risque d'être celui de trop. Et elle confond ce matin-là ses 7 ans d'études avec 7 ans de malheur. La NPE la presse de suivre une formation. Ses amis lui disent que c'est pas la mort, qu'elle peut bien y aller. Donc elle suit cette formation avec Monique, qui est une ancienne employée du magasin, qui est là depuis 30 ans, qui leur apprend le maniement d'une caisse enregistreuse, d'une machine à carte bleue, etc. Et là, la narratrice reprend tout de suite ses habitudes de première de la classe. Elle commence à travailler. On leur a distribué un guide qui s'appelle « Encaisser sans problème ». C'est à la fois la devise de tous ces gens qui travaillent au magasin et un guide de survie par rapport à plusieurs situations délicates ou humiliantes qui vont se présenter avec les clients. Après cette formation, elle commence à travailler tout de suite. On la suit, on descend avec elle au sous-sol, un escalier en colimaçon. On voit bien que l'ascenseur social ne fonctionne pas. Elle s'enfonce dans ce sous-sol, elle découvre les vestiaires, le rayon, le chef, que tout le monde appelle le pingouin parce qu'il porte des costumes bien trop élégants. Et surtout, il se voit plutôt comme un mécène face à tous ces jeunes gens surqualifiés qui lui arrivent. Il n'ose pas donner d'ordre direct comme le ferait un chef habituellement. Il lui présente un peintre en expliquant que Georges, ce peintre, est là, s'occupe du rayon beaux-arts et loisirs créatifs, qui a du parquet dans un petit îlot du magasin, comme s'il était dans un vrai musée. Presque toutes les scènes se passent au sous-sol. Le titre est emprunté à Beckett. En attendant Godot, il y a un des personnages qui dit « Fous-moi la paix avec tes paysages et parle-moi du sous-sol ». Ça fonctionne un peu comme le programme du livre. J'ai voulu insister sur l'absurdité, l'aspect répétitif de leur attente et de leur vie quotidienne et sur une promesse non tenue, ce qu'ils avaient rêvé dans la vie. Et pour l'instant, ils sont toujours coincés dans leur sous-sol, un peu prisonniers. La narratrice, elle a fait une thèse d'histoire de l'art qu'elle est en train d'abandonner. Elle travaille sur l'enluminure dans le bestiaire médiéval. Elle a un regard de spectatrice à la fois lucide mais aiguë, un peu décalée. Et elle les voit tous comme des animaux. Il y a beaucoup de références à la fable, à la ruse, au roman de Renard. Elle voit tout le monde comme des animaux agressifs prêts à se venger, comme des taupes dans leur galerie, des ours en cage. Parle-moi du sous-sol, ça pourrait être aussi ce que lui demande Vincent, son petit ami, avec qui elle partage un studio trop petit, qui lui est très cynique et lui reproche de se compromettre, de se laisser appeler mon petit, il lui reproche d'accepter un petit boulot vraiment minable à la première occasion. On se demande ce qu'il a comme solution, lui. Il est très désagréable avec elle. Elle pense qu'il va la quitter, mais finalement, il l'emmène chez ses parents. Et là, on comprend que Vincent ment sur sa vie à Paris parce qu'il veut être comédien, mais il fait de la figuration dans un téléfilm historique sur la Fronde et il a juste un rôle de cadavre et non pas d'Henri IV. Passer la nouveauté, ça devient difficile pour la jeune caissière. Elle voit que les clientes de son âge qui ont très bien réussi la traitent en domestique. Il y a d'autres personnages qui souffrent comme elle au sous-sol. Il y a le vigile qui est un ancien militaire de retour de guerre, absolument surdimensionné pour le poste, qui a des manières de militaire du FBI. Elle lui demande « Mais vous cherchez Ben Laden ?» Finalement, il s'en va vexé et elle comprend qu'elle l'a fait payer pour les autres parce qu'il est plus bas qu'elle dans l'organigramme, tout simplement. Il y a un personnage aussi qui s'appelle Félix, qui est démonstrateur de karaoké, qui en fait est un spécialiste de Baudelaire mais qui n'a pas trouvé de débouché. Et lorsqu'il croise son ancien professeur d'université, qui est très connu, qui est par hasard dans le rayon pour acheter des jouets, il disparaît par l'issue de secours, on ne le revoit jamais, parce qu'il ne veut pas se confronter à ce genre de situation humiliante non plus. Ce personnage de Félix donne une des clés du livre en disant
on a fait le plus gros du travail, on n'a plus honte de ses origines. Par contre, qu'est-ce qui se passe avec le déclassement quand, par exemple, c'est plutôt les parents de ces personnages qui ont honte de dire quelle est la vie actuelle de leurs enfants avec toutes les études qu'ils ont faites. Donc il y a un aspect sociologique comme ça. Il lui demande aussi, tu rêves de mieux, mais est-ce que tu vas te laisser faire longtemps encore? Et finalement, à la fin du livre, il y a une urgence. Est-ce qu'elle va rester? Est-ce qu'elle va dénouer son petit chignon, refuser leur proposition minable dans un éclat de rire et trouver autre chose? Il y a un rédacteur en chef qui lui avait proposé de faire une revue sur l'art, justement. Mais elle n'a plus de nouvelles, donc est-ce qu'elle doit le relancer? Donc à la fin, on est dans cette incertitude. C'est le bouquet final au magasin. Noël, le couronnement de toute une année de travail pour le rayon des jouets. Et il y a une scène de fête. Les personnages sont tous regroupés sur une terrasse avec une vue sur la ville qui est vraiment l'inverse du sous-sol. C'est une soirée déguisée. Tout le monde est en blanc. Elle dit qu'on y rentre sans avoir besoin de donner des justificatifs de chômage datant de moins de 3 mois. Et qu'est-ce qu'ils attendent tous à danser sur cette terrasse? Est-ce qu'ils attendent le sauveur? Est-ce qu'ils attendent une rencontre amoureuse? Est-ce qu'ils attendent peut-être le joueur de flûte de Hamelin qui va venir et rassembler tous ses enfants et les emmener vers un ailleurs, vers une vie meilleure et qu'on ne les revoie jamais? J'ai essayé de faire un roman de formation impossible, en fait, de montrer qu'on ne peut pas faire un roman d'éducation avec une vie telle que ces personnages la vivent aujourd'hui, qui font l'expérience du déclassement, qui doivent renoncer à beaucoup de leurs aspirations. Et puisque la seule formation qui tienne, c'est malheureusement la formation caisse du début.